Faire le tour du monde est un rêve pour beaucoup. Découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux paysages et de nouvelles traditions. Pour tous ceux qui ont franchi le pas, je vais vous raconter ce que de là-bas, vous allez découvrir en venant ici. Ici, on aime la vie, on la partage et on l'anime comme on peut. Et cela, depuis bien des années. On aime cette convivialité que chacun semble capable de sortir du fond de sa poche. Ici, on trouvera toujours une personne prête à faire danser ses amis. On fête, on trinque et on rit. On perpétue les coutumes qui remplissent de larmes les yeux de nos aînés et d'étoiles ceux de nos petits. Ici, on cultive, on respecte et on tente de prendre soin de la nature au maximum. Les cultures fleurissent comme partout ailleurs, mais ici, elles l'ont fait dans le cœur des habitants, jusqu'à en devenir leur emblème. Ici, on prend soin de nos animaux, qui donnent étrangement à nos paysages et nos contrées un côté très humain. Ces bêtes qui nous offrent ces petits instants de tendresse. On prend également soin de notre eau, une eau dont on nous a fait cadeau et qui nous est si précieuse. Ce cadeau avec lequel on cohabite et qui se transforme parfois en terrain de chasse. Ici, on enseigne. On tente de faire brûler la flamme des passions. Ces passions qui, souvent, nous guident sur le chemin de la vie. On transmet notre savoir pour que chacun puisse atteindre son but. Ici, on est fiers. Fiers des couleurs qu'on nous a données à défendre. Et fiers de celles qu'on s'est battues pour acquérir. Fiers, forts, francs et fidèles. On a ceux qui viennent de là-bas et qui sont maintenant comme s'ils étaient d'ici. Et puis, on a ceux qui sont bel et bien d'ici, qui ont vu le temps passer et qui sont restés marqués par lui. Car oui, ici, on travaille. On dit même plutôt qu'on bosse ou qu'on a une chiée de boulot. Et c'est pour beaucoup le poids qui maintient la balance en équilibre. On crée et on confectionne tout un tas de choses. L'artisanat se transmet de père en fils et garde une place toute particulière au sein du village. On a nos produits d'ici, que l'on partage volontiers avec ceux de ci et là. Et puis, on a nos petits secrets, qu'on aime bien garder pour nous. Ici, il y a des choses que l'on voit, et d'autres que l'on ne voit pas. Et c'est bien souvent ce que l'on ne voit pas qui fait la beauté des choses que l'on voit, qui donnent aux banalités une petite touche de magie insoupçonnée. Là-bas, on produit le vin d'ici. Mais attention, il n'est pas de là-bas, mais bel et bien d'ici. Ici, c'est tellement mieux que là-bas. Ça, on l'entend souvent par ici. C'est pas forcément vrai, mais il faut avouer qu'on y trouve un petit je ne sais quoi auquel on s'attache parfois. Un brin de rien qui fait tout. Faire le tour du monde est un rêve pour beaucoup. Et pour moi aussi. Mais un jour, mon père m'a dit, tu sais, ailleurs, on finit bien souvent par penser à ici.